Afrique Média, le monde, c'est nous. À chaque étape de notre vie, pour un bon départ et une meilleure réussite, nous avons besoin d'experts. L'Université de Douala, c'est plus de 40 ans d'expérience, 11 grandes écoles et facultés, des filières adaptées à l'emploi et à l'entrepreneuriat. C'est aussi des formations diplômantes, certifiantes, à la carte, bachelier, étudiant, professionnel. Pour tout savoir et mieux choisir, participez aux journées portes ouvertes de l'Université de Douala. Du 23 août au 11 octobre 2021, au campus ESSEC 6 à Ange Raphaël, nos experts et conseillers d'orientation vous attendent. Et bientôt, un tout nouveau complexe entièrement dédié à la professionnalisation. Bienvenue à l'Université de Douala. La professionnalisation, c'est ici. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine pour ce grand feuilleton que vous connaissez et vous découvrez tous les matins sur nos antennes. C'est bien sûr le grand feuilleton consacré à l'Université de Douala. Après avoir rencontré et faire passer sur nos plateaux les doyens de la Faculté des sciences, après la Faculté des lettres, après l'Institut des beaux-arts et l'Institut des sciences halieutiques, ce matin, nous sommes avec le professeur Jacques Etamé, qui est bien sûr le directeur de l'IUT de Douala. Bonsoir et bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Eh bien, également avec nous sur le plateau de la télé, plateau de la télévision panafricaine pour ce grand feuilleton consacré à l'Université de Douala. Nous sommes également avec le professeur Miniaka Emile, qui est le chef de division de la formation initiale à l'IUT de Douala. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour et bonjour, Junior. Également sur le plateau, qui, faut-il le rappeler, est très garni. L'intelligentsia a atteint des sommets ce matin avec également le professeur Ndiana Kofi, Francis Lénine, qui est chef de division de la formation permanente, également à l'IUT de Douala. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, Junior. Merci. Toujours un des habitués, vous le connaissez, on ne le présente plus, c'est bien sûr le chargé de communication de l'Université de Douala, mon frère et ami, Belfis. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Junior. Bonjour aux millions de téléspectateurs. Afrique Média, c'est toujours un plaisir, le plaisir est partagé. Merci à vous, merci en tout cas, chers messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de l'institut dont vous avez la gestion, plus précisément l'IUT de Douala. Eh bien, on va sans plus tarder rentrer de plein pied dans cette émission avec vous, professeur Jacques Etamé. Il faut le dire, votre renommée n'est plus à démontrer ou bien n'est plus à prouver, que ce soit au Cameroun, que ce soit également à l'international. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de l'IUT de Douala. Eh bien, on sait, la rentrée scolaire universitaire a eu lieu il y a quelques jours seulement. C'était bien sûr le 11 octobre. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, professeur, en ce qui concerne l'effectivité de la rentrée scolaire le 11 octobre 2021? Parce qu'il faut le reconnaître, très souvent, il y a un décalage entre la date annoncée pour la rentrée et la date effective. Est-ce que, de votre côté, à l'IUT de Douala, cette date a été respectée? Alors, l'Université de Douala, c'est cette ingénierie académique de l'université de troisième génération si chère au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est déclinée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, et mise en œuvre par le recteur de l'Université de Douala, le professeur Magwa Rondoa. Et en ce qui concerne les établissements et l'IUT en particulier, le prolongement de cette mise en œuvre consiste tout simplement à décliner le calendrier qui est mis en place. Et ce calendrier, vous avez signalé le caractère international du directeur de l'IUT et de l'IUT. Sachez donc que l'IUT de Douala est arrimé à cette internationalisation des enseignements, c'est-à-dire qu'à l'image des IUT de France, des ISEP au Sénégal ou alors des College of Technology aux États-Unis, nous faisons dans la labellisation de nos enseignements. Nous commençons à une période bien précise et nous terminons à une période bien précise. Et terminer ou commencer, ça veut dire que vous avez, s'agissant de terminer, vous avez terminé l'année antérieure. Vous avez délivré les diplômes, d'où la labellisation. Donc vous ne pouvez commencer une année que si vous avez achevé effectivement ce que vous avez commencé l'année antérieure. Donc s'agissant de l'Université de Douala et de l'IUT en particulier, nous avons commencé avec les deuxièmes années depuis le 6 septembre
grâce à l'autorisation qui nous a été accordée par le recteur de l'université de Douala, professeur Mavoie Ndoua. Puis le 11, c'était le début effectif des cours, parce qu'une semaine avant, il y a eu réception des étudiants avec tout l'encadrement qui nécessitait la visite des laboratoires, etc. Et puis le 11, c'était le début effectif des cours en ce qui concerne les premières années. Mais les cours, en réalité, ont commencé depuis le 6 septembre, après que nous ayons élaboré le calendrier. Nous pouvons aujourd'hui vous dire ce que nous allons faire demain, c'est ce que nous allons faire demain, d'où dans ce problème de labellisation. En réalité, quand je vous ai parlé de l'ingénierie académique de l'université de Douala, c'est parce que le process est bien huilé et c'est parce que ça a démarré dans les délais, comme toute une voiture de personnalité qui démarre, c'est-à-dire que quand la personnalité est à l'intérieur de la voiture, tout est préparé longtemps à l'avance. Merci à vous, professeur Jacques Etamé, pour cette première intervention. Je me tourne à présent vers vous, professeur Miyaka. On parle beaucoup de professionnalisation en ce qui concerne la rentrée académique universitaire 2021-2022. L'UIT de Douala étant donc une école dynamique et appelée à varier et à diversifier les offres de formation. On parle de profession, de formation innovante également depuis quelques jours déjà sur nos plateaux. Eh bien, quelles sont les filières professionnelles innovantes lancées peut-être par l'UIT de Douala en cette nouvelle rentrée académique? Oui, disons qu'au niveau de l'UIT de Douala, les innovations sont situées sur deux paliers. Le premier palier va donc concerner d'abord les formations. Et à ce niveau-là, à l'UIT de Douala, nous avons une spécialité particulière que nous avons mis sur pied pour le cours de l'année académique 2021-2022. Il s'agit donc de la filière mécatronique qui forme donc dans le cycle de BTS. Ensuite, au niveau des formations de master, disons que l'UIT, par son label, a obligé certains établissements de l'Université de Douala à héberger certaines de leurs formations, particulièrement les masters de technologie, dans des filières porteurs. Il s'agit, c'est, par exemple, du master en génie civil avec trois options, sans oublier les masters qui ont trait à l'informatique. Par exemple, je parlerai du master en génie logiciel qui est vraiment assez spécialisé, que le professeur Ndiana va certainement mieux développer. Mais avant peut-être que vous me donnez la parole au professeur Ndiana, j'aimerais dire aux téléspectateurs que cette année, en ce qui concerne les masters, vous avez de la géomatique qui est dans le cadre des filières de transformation numérique qui sera développée, et notamment dans l'aspect drone. Nous avons fait venir un enseignant de la diaspora qui est au Canada, que nous avons débauché, d'où cette labellisation. Je vous parlais des cégeps au Canada tout à l'heure, et cet enseignant nous vient directement du Canada pour développer cet aspect de la transformation numérique dans le volet de la géomatique. Merci à vous, professeur Jacques Etamé. Merci à vous également, professeur Miyaka. Je me tourne à présent vers vous, professeur Ndiana. Le professeur Jacques Etamé a annoncé les couleurs de certaines formations lancées par l'UIT de Douala en cette nouvelle année académique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien évidemment. À la suite du professeur Jacques Etamé, je voulais quand même revenir un tout petit peu sur ce master que nous avons lancé effectivement à l'IUT pour repréciser que c'est bien des masters de technologie. Donc il y a une particularité, on se démarque bien des masters professionnels que nous trouvons un peu partout dans les autres DIPES. Alors la particularité c'est quoi? C'est que nous insistons sur la certification de tout diplômé dans ce cycle de master. Donc pour être au final diplômé d'un master de technologie, il faudra absolument passer une certification. Donc ça c'est vraiment la plus-value dans cette formation de master. Donc c'était une petite précision que je voulais rajouter. Alors pour dire que nous avons également, toujours dans le cadre de cette approche pédagogique, pas mal d'innovations, et qui nous a permis de réaliser pas mal de projets aussi. Alors nous pensons ici à cette approche par projet
qui a été, pour le dire, hein, une initiative du professeur Jacques Tamé, et ceci qui vient à la suite d'un contexte que nous traversions et qui était plus très propice pour nos étudiants de trouver une place en stage au sein des entreprises. Donc, du coup, on se demandait comment faire face à comment tenir l'année alors que les entreprises n'étaient plus disposées à accueillir le flux d'étudiants que nous disposions. Donc, on a donc lancé comme ça l'approche par projet qui voulait que, avec des professionnels, nous construisons, on a co-construit dans des projets grandeur nature, c'est-à-dire qui répondaient aux préoccupations des entreprises. Et au sein de l'IUT, ces projets ont été réalisés. On parle aux étudiants. Donc ça, c'est ce qui nous a donc permis, en fait, qui a permis donc de boucler l'année. Et nous avons aussi voulu répondre à cette pandémie qui faisait des ravages, je pense à la COVID-19. Ces projets ont tout de suite été orientés vers ces secteurs de la pandémie. Je parle comme ça, des projets formulation et production des gels hydroalcooliques. Je parle également à la production et la réalisation des thermoflashs. Je parle également de la fabrication d'un portique de décontamination qui est en cours de construction et presque terminé à l'IUT. Donc. Merci à vous, professeur Ndjana. Je me tourne à présent vers vous, professeur Mayaka. Justement, c'est cette période de pandémie. Est-ce que vous pouvez nous présenter, par des exemples concrets, les réalisations de certains de vos étudiants? Parce que sur ce même plateau, hier, on a reçu le professeur Annette Angua qui nous a présenté certaines œuvres des étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba qui ont d'ailleurs été présentées dans certaines galeries de l'autre côté, plus précisément du côté de la France. Est-ce que vous également pouvez nous présenter avec des exemples concrets et précis certaines réalisations de vos étudiants? Oui, bien sûr. Disons que au niveau de l'UIT, comme le professeur Ndjana l'a dit tout à l'heure, nous privilégions l'approche par projet. Et cette approche par projet se fait sur la base de quelque chose qui est cher au pays comme le Cameroun aujourd'hui. C'est le Made in Cameroun. Il est question pour nous de valoriser notre matière première locale, plus particulièrement notre flore. Il s'agit de nos plantes aromatiques, nos plantes médicinales. Alors, les étudiants de l'UIT, dès l'arrivée ou bien la survenue de la COVID-19, sont partis de l'observation autour de nous. Lorsque dans nos villages, dans nos campagnes, quelqu'un était affecté par une grippe, il faisait usage des plantes autour de la maison. Alors, à partir donc de ces plantes, nos étudiants ont pu extraire les huiles essentielles. Il s'agit des plantes qui ont un parfum. Quand vous frottez, vous sentez un parfum, mais ce parfum, c'est juste des huiles. Ces huiles essentielles ont été donc mises à profit par ces étudiants pour développer, un, les gels hydroalcooliques. Nos gels hydroalcooliques développés par les étudiants à l'UIT ont des essences. Ces essences travaillent à nuire aux micro-organismes que sont les bactéries, les virus ou alors les champignons. Donc, ces gels hydroalcooliques enrichis aux essences ont donc participé à freiner l'expansion de cette COVID au sein de l'UIT. Deuxièmement, à partir de ces essences, ces étudiants ont développé ce qu'on appelle les solutions aérodécontaminantes. Lorsque dans vos services, vous recevez les documents venant de l'extérieur, ont été touchés par plusieurs personnes, ces documents sont certainement contaminés. Il faut donc utiliser des solutions pour les décontaminer. Il s'agit donc de ce qu'on appelle les sprays aérodécontaminants développés par ces étudiants et que ces produits dont je viens de citer sont utilisés d'abord à l'intérieur de l'UIT par le staff, par les étudiants pour décontaminer nos salles de cours. Mais il y a également les entreprises qui nous sollicitent parce que c'est des produits déjà utilisables et déjà sollicités. Donc voilà un peu
ce que nos étudiants ont pu faire. On a des échantillons, on a beaucoup d'autres produits qui ont été développés. Merci et... à vous. Merci à vous, professeur Miyaka. Vous vouliez continuer? Non, moi, j'aimerais rebondir. Ah, d'accord. Parce que lorsque vous demandez qu'on présente ce qui a été fait, ce qu'il faudrait comprendre, puisque je sors de Roumanie pour les 60 ans de l'Agence universitaire de la francophonie, j'ai pu, avec les collègues de plus de 1000 universités du monde qui partagent le français comme langue commune, partager avec ce qu'on appelle les pédagogies actives. Et effectivement, l'exemple de l'université de Douala, et en l'occurrence celui de l'IUT de Douala, a été partagé avec les autres collègues du monde pour comprendre qu'en fait, les approches par pédagogie active, et en l'occurrence, c'est-à-dire la transmission des compétences à travers ce que les anglo-saxons appellent du « learn by doing » ou alors en français facile, « apprendre en faisant », fait partie du vécu de l'IUT et de ce que nous transmettons quotidiennement à nos étudiants, de telle sorte que lorsqu'un étudiant de l'IUT se présente devant un employeur, la première des choses, ce n'est pas de présenter son diplôme, mais de montrer ce dont il est capable, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire les qualifications. Et c'est pour ça que dans nos entretiens, on vous a fait dire tout à l'heure que ce n'est pas le diplôme qui est important pour nous, mais ce sont les autres savoirs. Les autres savoirs, nous nous occupons de l'homme entièrement à l'IUT. Nous ne nous occupons pas seulement à lui donner des savoir-faire, mais également les savoir-être, les savoir-dire, etc. Je prends le cas. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas attacher des lacets, qui ne savent pas nouer un nœud de cravate? Ça, à l'IUT, ça fait partie également des éléments de notre établissement. Eh bien, professeur Jacques Etamé, puisque vous avez la parole, vous allez d'ailleurs la garder. Vous faites bien de parler de vos nombreux voyages quand on sait justement que l'admission à l'IUT se fait par concours. Comment un étudiant étranger peut faire pour venir s'inscrire à l'IUT? Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire que le recteur de l'université de Douala, le professeur Magouadoua, m'a donné l'autorisation d'aller présider la commission régionale des experts de l'AUF au Congo. Ça, c'est toujours l'université de Douala en passant. Et au cours de cette commission, on s'est rendu compte que beaucoup des étudiants congolais formés justement à l'UIT étaient retournés dans leur pays et ont créé des entreprises. Mais quelle merveille! Quelle merveille l'université de Douala! Nous faisons vraiment le bonheur des familles. Donc il y a dans la sous-région déjà des étudiants du Congo, du Tchad, qui viennent à l'UIT, mais nous recevons également, dans le cadre du programme Erasmus, des étudiants qui viennent d'Italie, qui viennent de Strasbourg, pour se former à l'UIT, et les étudiants de l'IUT aussi, qui partent ailleurs pour se former, toujours dans le cadre des programmes Erasmus. Un autre programme, d'ailleurs, sera mis en place bientôt avec l'université Paris-Saclay, qui est la 7e université classée Shanghai, classement Shanghai. Eh bien, pour ça, comment cela se fait donc si un étudiant congolais, par exemple, vous avez évoqué le cas du Congo, un étudiant congolais arrive au Cameroun, il veut fréquenter ou bien s'inscrire à l'IUT de Douala, quelle est la procédure que ce dernier doit suivre? La procédure est très simple, toute admission à l'IUT, c'est par voie de concours. Et ce concours, c'est un concours écrit ou alors dans le cadre des cycles de DUT de licence de technologie ou dans le cadre des dossiers qu'on étudie tout simplement dans le cadre du BTS et dans le cadre des masters dont la date limite est prévue pour la période du 20 octobre. Donc, à ceux qui traînent encore les pas, nous leur disons que bientôt, ce sera clos. Dans tous les cas, en ce qui concerne l'IUT, c'est un réseautage de beaucoup d'années. Quand on présente l'université de Douala, on vous dit 40 ans d'expérience. Donc, vous pouvez imaginer le nombre des étudiants qui sont formés dans l'IUT, qui sont placés dans des entreprises partout dans le monde. Et c'est ça qui donne donc la chance à ceux qui viennent après d'utiliser ce réseautage-là pour être
pour s'insérer demain, pour être employé. Mais mieux, ce que vous devez savoir en termes d'innovation, et ça on a oublié de le signaler tout à l'heure, il y a un centre d'employabilité francophone qui va participer à augmenter le taux d'insertion des étudiants de l'université de Douala. Ce centre d'employabilité est mis à la disposition des étudiants de l'université de Douala et des autres étudiants qui sont dans d'autres établissements environnants pour faciliter l'insertion professionnelle des gens. Parce que former un étudiant, c'est bien. Mais après quoi? Il faut que cet étudiant puisse trouver un emploi ou alors créer lui-même son entreprise. Merci à vous, professeur Jacques Itamé. On va sortir peut-être rapidement avec cette dernière question qui a deux volets. Eh bien, à l'instar des autres facultés que nous avons accueillies sur nos plateaux, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba. Là-bas, on peut se faire former sans baccalauréat, même si vous avez seulement un BEPC ou un probatoire. Vous pouvez vous inscrire à l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba. C'est la même chose également de l'autre côté de l'Institut des sciences halieutiques, également à la faculté FCGA. Les doyens nous ont dit que même sans baccalauréat, on pouvait se faire former de leur côté. Est-ce qu'à l'IUT de Douala, cette réalité est palpable de ce côté-là? Alors, je vais nuancer ma réponse pour vous dire d'abord que dans le cadre de la labellisation, c'est non. Dans le cadre de la labellisation, parce que nous ne sommes pas seulement à l'échelle nationale, nous sommes également à l'échelle internationale. Et c'est pour ça que nous sommes leaders en matière d'ingénierie pédagogique. Durant pratiquement 3 ans dans le classement du ministère de l'enseignement supérieur, je veux vous dire non, ce n'est pas possible. Mais dans le cadre de la VAE qui est en train d'être mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur, et nous allons nous rencontrer à Yaoundé ce 22 octobre pour le lancement de la VAE, oui, dans le cadre de lancement de la VAE, cela va accroître également nos relations avec le monde socio-professionnel. Nous allons mettre des mécanismes pour que ceux de nos étudiants ou alors le personnel qui est dans les entreprises, qui a une expérience bien donnée dans un domaine bien précis, que nous puissions permettre à ce personnel-là de pouvoir augmenter leur capacité en termes de savoir-faire, et ceci à travers soit des certifications, soit des diplômes que l'université de Douala va octroyer à ce personnel-là. Mais le mécanisme est en train de se mettre en place, alors ce sera possible dans quelques jours, une fois que le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Famin Dogo, aura eu le résumé de la commission qui a travaillé sur la VAE. Eh bien, professeur Jacques Itamé, vous rassurez ainsi de nombreux Camerounais qui n'ont pas pu, peut-être eu la possibilité de terminer ou bien de poursuivre leurs études, on le sait. Ce n'est pas souvent très facile. Professeur, on va sortir rapidement avec le deuxième volet de ma question. Quel est le coût moyen d'une formation du côté de l'IUT de Douala? Alors, je vais vous dire de vous méfier de ces établissements qui vous parlent de coûts sans le contenu. N'achetez jamais une marchandise qui est encore dans son sac. Il faut prendre la peine de déballer cette marchandise. N'appréciez jamais une orange sans l'avoir épluchée pour savoir. C'est-à-dire quoi concrètement? Nous ne nous intéressons pas beaucoup en ce qui concerne les prix. Nous nous intéressons d'abord à la qualification que nous donnons aux étudiants, aux certifications que nous donnons et ensuite aux diplômes. C'est-à-dire le prix donné à l'université de Douala et à l'UIT en particulier, c'est d'abord la qualification. Ce sont des compétences, c'est la qualification. Et la qualification, ce sont les certifications, c'est-à-dire qu'est-ce que l'étudiant sait faire et ensuite le diplôme. Et c'est ça qui est égal le prix. C'est-à-dire que le prix égale quoi? Les compétences, les savoir-faire, plus les certifications. Les certifications. Et enfin, le prix. Par rapport donc à ces prix, sachez que nous avons les prix les plus bas. Je prends rien que le cas du BTS, et ça, je vous mets au défi. Si vous trouvez un prix qui est celui de l'université de Douala, alors je suis prêt à vous rembourser 250 000 francs. Vous ne trouverez jamais ça, et nulle part. Donc, vous voyez ce que nous donnons à travers 250 000 francs. Nous allons donner des compétences, nous donnons des certifications. Vous voyez ?
Merci. Merci à vous, professeur Jacques Etamé, d'avoir une fois de plus rassuré les parents qui sont à la maison et qui nous regardent actuellement. Merci en tout cas de nous avoir apporté ces précisions. Eh bien, belle-fils, on va rapidement sortir avec vous pour parler de toute autre chose. Très souvent, dans les différents campus de l'Université de Douala, on parle d'insécurité dans ces campus-là. Qu'est-ce qui est fait cette année précisément pour essayer de rassurer, de continuer à rassurer les parents d'envoyer leurs enfants dans les différents campus de l'Université de Douala? D'abord, merci pour la question, mais vous savez très bien qu'avant que de répondre à cette question ô combien fondamentale, parce que la question de la sécurité, elle nous interpelle, nous tous, à chacun à son niveau. Vous avez vu, et tout le monde, je pense que les téléspectateurs ont compris et ont vu l'intérêt, et tout le monde sait que l'UIT aujourd'hui, plus que jamais, est un établissement phare de l'Université de Douala. Parce qu'en réalité, l'Université de Douala, c'est 11 établissements. Mais vous savez aussi que peut-être ça n'a pas été dit, mais ça a été peut-être dit par certains médias à l'époque. Le Cameroun traverse une Covid. Et si aujourd'hui, à l'Université de Douala, qui est l'une des plus grandes universités de l'Afrique sous-régionale, on l'a dit, on ne le dira jamais, c'est presque 80 000 étudiants, nous avons une certaine grâce que pour le moment, aucun de nos étudiants ne soit peut-être mort de suite de Covid. Ça traduit quand même que de ce côté, le top management de l'Université de Douala est impulsé par le professeur Magloire Douala, mais surtout que les étudiants des grandes écoles, c'est-à-dire quand je parle des grandes écoles, je parle de l'IUT, je parle peut-être de l'INSET, je parle peut-être de Polytech, il faut dire qu'ils ont contribué pour beaucoup. Dans le cadre, par exemple, de la maîtrise de cette pandémie. Tout à l'heure, on vous a fait part peut-être de la batterie, de l'ingénierie de ces étudiants en termes d'innovation. Parce qu'il fallait confectionner les masques, il fallait des gels hydroalcooliques, il fallait donc nos étudiants, c'est pour vous dire qu'ils sont bien formés, ils ont un transfert de capital de compétences avéré. Ça veut dire tout simplement qu'à l'Université de Douala et singulièrement à l'UIT, le label est une notoriété. On ne s'amuse pas. Vous avez vu tout à l'heure, le professeur vous l'a dit, il a martelé que les cours ont commencé à l'UIT avant même que la date butoir de la rentrée ne soit peut-être n'ait démarré. Donc c'est dit tout simplement que de ce côté, vraiment, on concilie la ressource humaine au capital humain pour en faire un Camerounais compétitif. Quand on l'a dit maintenant, on pose une question sur la sécurité. Effectivement, la sécurité est quelque chose de fondamental et elle tient le top management de l'université à cœur, singulièrement son recteur. Vous savez, depuis que le professeur Magloire Ondoa est à l'Université de Douala, pour ceux qui ne le savent pas, il a été nommé le 11 juillet 2019, il a été installé le 17 juillet 2019, donc ça fait presque 2 ans, aujourd'hui écoulé, mais il avait des défis énormes. Le premier défi auquel faisait face, par exemple, le top management de l'université, il fallait décongestionner les effectifs. Parce que pendant longtemps, quand même, les effectifs au niveau du campus 1 étaient énormes. Nos étudiants, parfois, se réveillaient à 3h, 4h du matin pour venir peut-être, surtout les étudiants de première et deuxième année, dans des écoles facultaires. Parce que dans les grands établissements, comme le professeur Jacques Etamé vous l'a dit, très souvent, là-bas, c'est des concours, les places sont limitées et c'est sélectif. Mais dans les facultés, les places ne sont pas limitées. Effectivement. Et vous comprenez donc que c'était des marées humaines. Il fallait donner des conditions optimales à ces étudiants. Et descendre également. Et descendre. Et je pense que la première réforme sécuritaire, peut-être les autres ne l'ont pas vu, elle était d'abord académique. La mutualisation des infrastructures qui a permis de décongestionner l'université, le campus 1. C'est parce que l'université de Douala, c'est plus de 5 campus. Mais je peux dire qu'on a décongestionné. Et cette décongestion a permis aux étudiants aujourd'hui d'être peut-être mieux accueillis du côté de l'Okbesou, c'est-à-dire les étudiants de première année et de deuxième année de beaucoup de facultés. Ça a été quelque chose de très fondamental. À côté peut-être de cette mutualisation des infrastructures, c'est accompagné maintenant une dotation massive en termes peut-être de tables bancaires, tout ce qui a permis aux étudiants davantage d'avoir peut-être des conditions optimales pour leur permettre de se sentir qu'ils sont en faculté, qu'il y a une rupture désormais entre le lycée et l'université, que c'est une réalité. Parce que quand vous allez du côté de l'Okbesou, faites-y un tour. Je serais vraiment très ravi qu'Afrique Média puisse davantage aussi nous accompagner dans toujours cette vision futuriste. Et on parle aujourd'hui d'université de troisième génération. C'est-à-dire que vous allez voir que nos étudiants de ce côté
Je puis vous rassurer que sont dans des conditions vraiment acceptables. Les salles de classe sont climatisées, je dirais, elles sont ventilées parce que ce n'est pas climatisé, c'est des amphis. Maintenant, les sons sont sonorisés. Bref, les enfants sont sécurisés. Ils se sentent en sécurité. Maintenant, la seconde sécurité dont vous parlez, effectivement, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, la première chose, il fallait que l'université de Douala puisse se réapproprier, par exemple, ses emprises. Parce qu'au niveau des barrières, si vous arrivez au campus 1 de l'ESSEC, vous allez vous rendre compte que on a carrément, avec le concours des autorités administratives, on a pu déconjectionner, on a pu élaguer toutes les personnes qui grouillaient tout autour de la barrière et qui davantage peut-être parfois mettaient à mal la sécurité de nos étudiants et la sécurité du personnel. Et pour cette rentrée académique, je puis vous rassurer que tout est fait pour davantage sécuriser les parents. La première des choses, c'est quoi ? La première des choses, c'est que la barrière a été refaite. Tout a été fait. Une fois que tout ceci sera fait, il y aura les réverbères pour éclairer. L'éclairage public reviendra. Et je pense que les étudiants et les parents ne doivent pas s'inquiéter de ce côté. Les mesures barrières, tant sur le plan peut-être de l'observance de la pandémie de COVID-19 et la sécurité des personnes et leur sécurisation et sûreté, sont prises en compte du côté de l'université. Merci à vous, mon cher ami. Belfis, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous étions ce matin avec le professeur Jacques Etamé, directeur de l'IUT de Douala. Mais restez sur Afrique Média, car le grand feuilleton consacré à l'université de Douala se poursuit bien sûr sur nos antennes. Demain, on sera bien sûr avec un autre directeur ou bien un autre doyen d'une autre faculté pour continuer de parler de cette grande université qui, faut-il le rappeler, est leader dans la sous-région Afrique centrale. Merci, chers téléspectateurs. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonjour. À chaque étape de notre vie, pour un bon départ et une meilleure réussite, nous avons besoin d'experts. L'Université de Douala, c'est plus de 40 ans d'expérience, 11 grandes écoles et facultés, des filières adaptées à l'emploi et à l'entrepreneuriat. C'est aussi des formations diplômantes, certifiantes, à la carte, bachelier, étudiant, professionnel. Pour tout savoir et mieux choisir, participez aux journées portes ouvertes de l'Université de Douala. Du 23 août au 11 octobre 2021, au campus ESSEC 6 à Ange Raphaël, nos experts et conseillers d'orientation vous attendent. Et bientôt, un tout nouveau complexe entièrement dédié à la professionnalisation. Bienvenue à l'Université de Douala. La professionnalisation, c'est ici.